pour résumer l'expérience dans sa vie langage créole, pour enseigner sociologie dans collège. Le travail que les adventistes et qui bat l'obstacle au film faire face et qui encore plus faire face. Donc, position qui me répond dans la présentation de l'expérience en tant que professeur, c'est qu'il y a trois rôles contradictoires qui m'auraient bien fait en même temps. Un premier, en tant qu'un agent oppression. Quelqu'un peut dire agent oppression parce qu'il m'auraient participé dans le mécanisme oppression de l'État. Que je me supposais applique une politique langage qui me connaît et peut faire du tout à mes enfants. Deuxième, moi, il a aussi un rôle en tant qu'un opprimé, système actuel. Ça veut dire, moi, je me supposais atteindre mon objectif en tant qu'enseignant sociologie, mais politique langage peut empêcher moi atteindre mon objectif que je me supposais faire mon privilège littéraire dans sociologie. Et troisième, moi, étant donné qu'il est un militant, même que moi je suis conscient des additions qui peut arriver quand on peut servir l'engagement maternel, et me baisser, me connaître l'importance de l'engagement maternel, me baisser, trouver une bonne solution pour faire face à cette situation-là. Depuis 55 ans qu'il n'est plus une colonie, et que depuis qu'il finit là, il y a une internationale d'éducation travailleuse en 2009, qui tient à tout thème, dit au qui fait dans l'école qu'on supprime l'engagement maternel. Et depuis ça, on commence à réfléchir et pour identifier qui va être dit au mental et émotionnel qui nous peut faire dans l'école, dans le système actuel. Je travaille depuis 18 ans et mes observations sont basées sur les enfants, les adolescents. En 12 à 20 ans, depuis formule jusqu'à HSI. Et, par rapport, barrage qui est là, me mettre par rapport à quatre groupes. Vis-à-vis des enfants, vis-à-vis l'autorité, vis-à-vis, collègues, et que si vis-à-vis des parents. Côté des enfants, il y a quatre niveaux de difficultés qui me peuvent faire face actuellement. Que me sentir mon papa réussi, nurture un outil cognitif. Mon papa réussi à arriver au niveau qui t'y besoin, qui des enfants t'y besoin étaient dans forme 5 aujourd'hui. Premièrement, nos, participations aux élèves, comme on a bien dit, mais la différence entre d'une classe que dans les élèves qui apprennent créole, vous êtes l'enthousiaste pour apprendre et dans les enfants qui apprennent créole mauricien. Il y a des mots de différence, mais, dans l'école, mon premier année, étant donné mon petit cours avec LPT dans Teacher Training qui me donne coup de main, me cause en créole. Mon premier classe me fallait en créole. Et mon pan de service langage anglais, vraiment, comme un petit peu quand j'en vois pas capable, mon premier, première interaction, c'est en créole. Et comme mon head of department, ça donne super value, si c'est la sociologie d'une dans classe. Quand ils sont utiles, moi, me pourrais venir la prochaine fois et que te supposer sens le langage qui te fait enseigner. Lundi, mais quand même là, dans l'école, étant donné qu'il est mon superviseur et que mon premier jour, mais c'est adapté à l'approche là. Et l'attitude des élèves, c'est bien différent. Les élèves vont se réviser que c'est. Je pas répondre à une question, je n'ai plus où les concentrer. Et ça, à cela, pour aussi un monde, ça a problème là. Mais je commence à les élèves et, ceux qui ont envie que c'est qu'à exprimer de langage créole. Et puis, ça nous continue. Et là, chaque fois qu'il y a une confrontation avec nos head of department, la même argumentation qui a été une de nous. Deuxième, nos capacités réfléchies. Quand on peut dire, faire des élèves littéraires dans la sociologie, t'as l'air comme on peut montrer nous, des enfants développés dans un patrimoine culturel qui est extrêmement important pour nous comprendre la société dans laquelle nous vivons. Et ce qui est là dans le livre sociologie actuellement, il est basé, nos livres encore colonisés. C'est-à-dire, la plupart, c'est qui va arriver dans l'Angleterre, c'est sa culture, société anglaise-là, qui nous fait appliquer dans Maurice. Quand en fait, il y a beaucoup d'affaires déjà pour apprendre dans ce qui va arriver dans Maurice. Et que nous prenons beaucoup de temps pour définir, pour expliquer un nouveau concept, pour nommer. Et que, pour qu'ils en soient capables, explique ce qu'ils comprennent dans un langage maternel avant. Et, là, deuxième problème qu'ils gagnaient, c'est qu'ils en font, ils gagnent difficulté pour lire.
Ils refusent, ils ont dit tout ça va paraître facile, pour les intercaler, pour gagner l'information. Ils refusaient à redire le mot qui est là dans le dictionnaire pour comprendre ce qu'il y a dans ce livre. Et là, nous finissons commence PADD. Et troisième, il y a aussi PADD dans lecture. Ça veut dire ça fait important pour lire, pour content lire, pour être capable d'écrire ce qu'il y a autour de nous, pour nous enrichir nos vocabulaire, pour nous garder un dialogue sociologique, une approche sociologique de ce qui va arriver dans la société. J'ai beaucoup de difficultés, vocabulaire là complètement diminué, presque disparu. Et moi, la plupart du temps, dans la radio, quand, pour présenter la société, elle est une sociologue, moi, elle lecture à l'université qui vit, et lui présente très bien, mais là, tout ça, on dit qu'il y a une sociologie, là, que Dieu était dans la société, pour expliquer, et pour amener ça en résistement à vocabulaire, là. Et que si, lui affaiblit de capacité de mémorisation quand c'est pas lui. Ce qui me désaffaire, me désaffaire dans ma, dans un chapitre qui est un peu difficile, mais toi qui m'as envoyé la difficulté, par exemple, il y a un débat pour comprendre, t'as l'air de ça, concept nurture et nurture. Instinct, comment influence le comportement et comment est-ce que socialisation, façon qu'il nous grandit dans une société, influence le comportement. On dit des concepts qui prennent beaucoup de temps pour expliquer parce qu'ils impliquent une approche multidisciplinaire de biologie qui veut dire instinct, qui veut dire ban abien, qui veut dire ban zen. Les enfants tranquilles parce que c'est pas que le qui veut dire, ils paient la précision. Et pourtant, c'est la biologie. Et elle est là pour aller encore plus loin d'un côté cognitif, comme il disait, à celle-là comparée entre ça de l'approche-là, qui l'approche, qui n'a plus beaucoup l'avantage, ou bien qui explique bien, ou bien qui n'a pas justifié. Là aussi, ils ont encore une difficulté pour qu'elle amène sa bonne argumentation-là et que aussi justifier ce que je peux dire. Donc, niveau raisonnement, parmi nos élèves, il est extrêmement faible. Oralement, dans le langage créole aussi. Et que, quatrième, c'est capacité de lecture, comme des, sorry, l'écriture. C'est un lecteur qui va nous aider, et là, pour pas moi ici, mais là, pour un papier, mais extra stressé quand, en fait, nos pensées, nos paroles, nos réflexions, utilisées en harmonie, pour nous dire ce que nous pensons, ce que nous retrouvons dans les mots. Et ça, c'était une autre forme, un dito cognitif qui me trouvait dans nous et pour mes élèves aussi. Et mes élèves, par exemple, dans la sociologie, dans le papier d'examen, il y a une question qui dit où vous êtes laissé, à quel point est-ce qu'il inégalité entre hommes et femmes peut augmenter dans la société, par exemple. Et la plupart de mes élèves ont extra difficulté pour écrire. La plupart des élèves, devant même si nous faisons tout ça par un débat, on fait nous continuer à faire des débats, nous pas besoin d'écrire. Et malheureusement, me asir comme un agent oppression, parce qu'il me disait, mais non, nous pas capable de continuer à débattre éternellement. À ce que je disais, essayez de mettre ben, l'idée en écrit au papier, parce que c'est pour qu'on faisait un examen, nous disait qu'on faisait par rapport à Cambridge, et je disais écrire en anglais. Et la plupart des élèves, c'est pas réussi à écrire une introduction et même un paragraphe argumentatif. Et donc, ça a prouvé un peu ce que Jim Termin, dans ce livre, que les enfants pas réussi à développer la pensée à un autre niveau. Je pas réussi examiner en confondant un problème pour pouvoir le justifier. Et assez par rapport à la direction. La direction, je finis avec un cas que tel collègue science, une chef photo dans classe qui me le fait, pour aller montrer Rectrice qui me l'écrit en créole le tableau. Et Rectrice m'appelle moi, il me convoque moi, et il me dit qu'il y a même un bot. En fait, presque toute l'année, depuis que je travaille, je vais dans le bureau, me convoquer dans le bureau parce que je vais enseigner en créole dans classe. Et j'ai une accusement qui, c'est moi, à cause de moi qui m'a aidé à faire, et qui m'avait fait une confusion dans cette affaire. À cause de ça, c'est pas plus aussi, écrire un essai, ou bien même écrire, qui faire, ça peut arriver, comment ça peut arriver. Vis-à-vis de mon collègue qui enseigne différenciée,
Nous tout actuellement, nous pouvons focus sur le fait qu'il y ait un peu de pourcentage ici. Et du monde amène tout à des facteurs, mais je préfère soumettre nos agendas, même si je reconnais qu'il langage maternel, quand par exemple, le même médium, il y a un gros problème, et l'exemple aussi. Je préfère adresser devant tout du monde avec bonne argumentation. Bonne professeur, t'allais là, je peux dire, par exemple, il y a un terme en anglais, quantity and measurement dans physique. Dans sociologie, il y a le même problème, mais si nous pas connaît comment vous traduire primary socialization. Est-ce qu'il y a besoin de socialisation primaire? Est-ce qu'il y a besoin de mettre une autre phrase pour définir les? Nous, bonne collègue, nous avons dit ce qu'on a discuté comme ça, oralement, mais nous pas assisté dans l'atelier pour faire les. Et mes affaires demandent dans MAI pour dire est-ce que je suis capable d'apprendre le créole mauricien pour moi, améliorer le créole mauricien pour que je continue à enseigner sociologie dans le créole mauricien, mais il y a une réflexion de l'avoir du MAI. Et donc, étant donné qu'il n'est pas un expert dans la traduction, il est difficile pour nous capable de mettre le terme qu'il disait. Mon ami camarade qui étudie à moi qui est en classe oral English, je m'enseigne, je m'enseigne toutes les thèses, les hypothèses, je m'enseigne. Ils auront un batch d'enfants, 10 enfants, qui ont des difficultés pour expliquer ton anglais. Mais, justement, pour moi, je me pose une question, mais si tu as un planté, imagine un planté qui va un problème ou qu'un gars, qu'est-ce qu'il va faire? Évidemment, là aussi, c'est pas capable de répondre. Évidemment, ça veut dire, c'est ni capable de répondre en anglais, ni en créole. Côté parents, mais tu as dit, c'est un seul cas, un sujet que tu rapportes, moi, avec critère, parce qu'il dit, moi, je peux faire ces enfants écrire en créole dans ta vie. Et en fait, pour les enfants qui aiment la prière pour écrire, mais des autres comme ça, ben, mettre l'idée en créole, nous pouvons améliorer le livre, écrire dans le langage qui est capable, parce que c'est un site pour avoir un message, et le langage améliorer le livre, bien sûr, mais la plupart, c'est de rester mettre l'idée et de développer une structure argumentative pour l'idée, de façon critique pour les gens qui tiennent. Mais lui, ça veut dire, lui, tu as envie que ses enfants, apprennent anglais pour lui faire un point pour l'immigrer dans le Canada. Donc, vous trouvez aussi qu'il y a une pression énorme en nous qui fait arriver à continuer en scène en anglais. Donc, pour conclure, je vous dis dire que Paolo Freire, il y a une diano qui lit réussit dans l'éducation, c'est réussir dans l'itérésie. Ça veut dire, mais d'accord avec cette position, c'est quand nous réussit lire les mots, quand nous réussit comprendre, quand nous réussit ensemble, trouve une solution qu'on peut maintenir comme si l'ennemi était dans la sociologie. Ça, c'est le but. Mais là, nous sommes capables, ensemble, de transformer la société. Mais actuellement, ce système-là, il peut empêcher, nous permettre, par exemple, un power, donner, par exemple, une capacité pour être capable d'intervenir dans une société, pour capable amener ça sans moi, surtout quand nous tenons des mondes dans une situation critique avec, menace la DNPR, un problème dans l'alimentation, dans l'eau, et aussi, problème de réchauffement climatique avec une situation extrême. Et que me faisait réduire qui système d'éducation actuel, qu'on peut pas servir langage matériel comme un médium, et créer un génocide, nos enfants, ses capacités pour réfléchir d'une façon critique et à haut niveau pour son société. Et aussi, nous avons rabattu à beaucoup de gens qui ont été aujourd'hui, nous avons servi ChatGPT, l'intelligence artificielle, aussi se mettre en question les rédactions là pour vous. Il est plus grave, mais il ne vous plie pas réfléchir si tu tout là. Et à la Lila, c'est que nous nous sommes contents de partager avec vous.